ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. C'était pas de la littérature, non, déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants salauds, mais des amis franco de port, des copains là-bas. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. Non plus l'évangile, il n'avait pas lu, mais il se met toute voix dehors, toute voix dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur leur montrer le nord. Et quand ils étaient en détresse, leur balancer des S, leur balancer des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapins. Si l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait, s'entend après qu'aucun ne sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré le bord, mais viré le bord. Naviguait en père peinard, sous la grande mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.